Si. Pour la Renaissance, qu'on va faire en âge normal. Donc on joue toujours la France en difficulté divinité. Et avec un niveau de catastrophe 4 pour Gathering Storm, donc on se méfie des volcans. Alors on va se débarrasser de ce camp barbare. Au niveau des relations diplomatiques, ça a l'air d'aller. Bon, ce sera un âge difficile, mais on va essayer de grind, ça devrait être assez facile, l'âge d'or pour l'âge industriel suivant. On a fait deux âges d'or au début pour l'âge classique et l'âge médiéval, mais c'était un peu trop tendu de récupérer l'âge d'or à la Renaissance. C'est dommage parce qu'on a des merveilles à faire et on a un bonus de civilisation, il me semble, de 20 pour les merveilles du Moyen-Âge et de la Renaissance, même industrielle. Donc ça serait intéressant qu'on fasse pas mal de merveilles. Après, au niveau des gouvernements, il faut qu'on aille regarder quand même un petit peu quels sont les dogmes pour construire les merveilles médiévales, renaissance et industrielles. C'est peut-être lumière. Non. Église, non. Mercantilisme. Ah, classique, Moyen-Âge et Renaissance. Droit divin. Bah, droit divin, je voulais pas faire, je vais quand même le faire pour la carte de merveille. Là, je suis sur humanisme, on va le mettre en pause, on va passer sur droit divin. Ouais, je voulais aller sur le génie civil pour refaire des bâtisseurs, mais les merveilles, on va passer dessus dans pas très longtemps. Là, pour l'instant, on doit faire des bâtiments, on profite de la République maritime. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? En République maritime, on va faire encore des quartiers, mais ça fera que plus un. Faut pas d'exode des évangélistes, pas ça. Pas ça non plus. Au final, c'est quand même la mentalité la plus intéressante pour gagner des points d'air. On n'en gagnera probablement pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Notre premier écrivain, c'est assez sympa, ça veut dire qu'il faudra quand même enchaîner assez vite sur les amphithéâtres. On n'a pas encore d'amphithéâtre. Là, voilà, là, typiquement, faudrait faire des merveilles dans cette ville pour faire une place du théâtre, hein, parce que j'ai pas de bonne place du théâtre à faire. Chichen Itza à faire ici. Après, Chichen Itza serait peut-être plus sympa sur Rouen. D'autant plus qu'ici on est en train de faire un Chichen Itza ici serait pas mal. C'est dommage. Alors, il y a une grande bibliothèque quand même. Mais c'est une case 6-2. Ça fait mal. Et surtout, pour construire un quartier, on va encore empiéter sur des bonnes cases. Peut-être faire un négociant. C'est une bonne ville. Et puis il faudrait peut-être construire un petit peu les relations avec le Norvégien. Alors, on va commencer à se débarrasser un peu des escarmoucheurs. On n'a pas le dogme des armées de métier. On va attendre, pas la peine de se précipiter. On a quand même tout l'âge médiéval pour faire notre. Alors, on va transférer à Paris notre écrivain. Alors, Auckland, on a gardé la quête avec la route commerciale, c'est intéressant, la suivre. Ah, on est coincé. C'est pas grave.
peut pas y faire grand chose là. On va attendre de se faire éjecter. L'anglais a beaucoup de puissance militaire, mais je devrais l'outtech tôt ou tard, donc ça serait peut-être intéressant que j'envisage de le prendre. Bon, évidemment, on est sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on veut pas avoir prod? N'est pas costal, hein. On pourrait faire des centrales à charbon. Hein. En espérant qu'on ait du charbon. Diplomatique, on va prendre. Je crois qu'on a remporté les deux. Enfin, le premier conseil. On a pas mal de points, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Je pense qu'on va forcer sur le diplomatique, même si c'est difficile de passer le diplomatique, ça peut pas passer. On a tout vu. Si un objet peut être étiqueté, non mais franchement, on ne base pas une forme de gouvernement. En droit divin, on va pas passer en droit divin. Par contre, au niveau des cartes, on disait que un petit upgrade sur quelques unités serait pas mal. Mais je sais pas si j'ai toujours besoin de la vétérance. On va faire un petit check rapide des productions en cours dans le multifil. Il y a un port toujours en cours, donc déjà on peut rester en vétérance. Rester en vétérance, et on va juste mettre les armées de métier à la place de la conscription. Ok, si on repart sur humanisme, on aura besoin de musée d'art tôt ou tard. Et d'ailleurs, il faudra très vite prod aussi le. Amphithéâtre pour pouvoir stocker les bouquins. On a une première Rootco là qui sort. On va regarder un petit peu quelles sont les meilleures Rootco disponibles pour avoir une idée. Normalement j'ai des routes commerciales qui doivent être pas mauvaises avec le. Non, j'ai dû le rater. Voilà, avec le norvégien. Là on voit, on a de bouffe gold. Il y a vraiment des bonnes Rootco. Calais et Marseille vers Nidaros, voire même Nantes vers Oslo, hein, qui est très correct. Ça pourrait renforcer un petit peu cette alliance. Il y avait un chevet. J'ai été un peu bête sur le. Il faut que je fasse mes upgrades. On va prendre cet upgrade là. Allez, on fonde. Dernière charge va aller quand même sur le cacao avec deux prod. Bon, lui il va dormir. Je ne pourrai plus jamais admirer. Il a fallu que j'explore vraiment tout le continent pour trouver enfin la dernière merveille. Ok. Bon. Donc, ici on voudra faire une place de théâtre, mais surtout des merveilles avant. Et... Mont-Saint-Michel, ça se mettra où? Ça se mettra là. Ouais. Ça pourrait profiter à Montpellier et à Nantes. Avec les deux cases en dessous. On va faire un négociant en attendant, parce qu'on a fait pas mal de marchés et de phares, et on a que 4 routes commerciales sur 6, autant en profiter. Hein. Les routes commerciales, c'est vraiment très profitable. Alors ici, on a fait tous nos quartiers. On joue la France, on n'a pas de. On n'a pas de foi,
On ne lèvera pas trop de cité-État, donc je pense que l'agence de renseignement avec la puissance d'espionnage de la France, c'est vraiment un must. Donc on va enchaîner directement avec ça. On a des merveilles à faire ici. Au prochain tour, on abandonnera certainement cette prod et on va switcher en mode merveille sur pas mal de villes. J'ai mis, je crois, la carte des espions, hein. Il faudrait que je reproduise aussi des espions. Plutôt que de faire l'agence de renseignement, je pense que je vais d'abord faire un espion. Ça sera plus sage. On va la mettre derrière dans la file. Là, on a deux espions à faire en retard. Donc là, pas de quartier à faire. Université un peu chère pour ce que c'est. Avec Duc, on n'a pas forcément envie de le faire tout de suite, parce qu'on a une 2-3, on n'a pas tant de cases que ça. Qu'est-ce qu'on exploite? Ah si, il y a des cases en doublon. On pourrait faire l'aqueduc et préparer un aqueduc ou grenier. Je pense qu'on va faire l'aqueduc et on a le bonus de construction sur les quartiers au final. On va faire l'aqueduc. Marseille, ça serait bien de faire un quartier à Marseille. On commence par quoi? On est déjà à 3 sur 5. La ville a bonne croissance. Je pense qu'on va partir directement avec Duc. Hein. On avait déjà préparé notre emplacement ici, on va l'enlever. Alors, Rennes, hein, qui est une nouvelle ville, on n'avait pas prévu grand-chose à Rennes. Si ce n'est un campus ici, sur le marais. Mais il faudrait l'échanger avec la ville voisine. Là, on a en effet un campus plus 3 qu'on va prendre. On va prendre. On a gagné 2 diplômes. En diplôme, on doit être déjà pas mal, hein. Ouais, déjà 9 sur 20. Tour 70, c'est déjà bien. Alors, un petit tour des unités pour les upgrades. On a un archer qu'on pourrait upgrade ici. On va la prendre tant qu'on a mercenaire. Ah, il n'est plus allié avec Harald. Il est toujours mon ami malgré ses intentions. Bien une alliance culturelle avec lui, histoire de booster un peu la culture. On n'a pas fait tant d'amphithéâtre que ça. Parce qu'en science, on est déjà très très bien. Bon, donc histoire d'équilibrer la culturelle, je pense pas que je fasse la guerre immédiatement à l'anglais, donc on va booster la culturelle. Est-ce qu'on peut trade un peu? Il a déjà des diamants. On va récupérer des golds contre la truffe. J'ai pas mieux, donc je pense que mon trade avec Harald, hein, cette truffe, autant qu'elle rapporte. On propose un gold en ponctuel. C'est moqué un peu de moi quand même. La truffe l'intéresse en fait pas tant que ça. Ok. Bon, on va pas insister. Hein. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre? On en a déjà lui. Est-ce que ça m'intéresse la truffe? Éventuellement. J'ai déjà sa ressource, mais. Je propose déjà un petit peu plus, 64 gold. C'est toujours ça de prix. Ok. Allez, tour suivant, si ça veut bien passer. Alors, on a ramené nos forces ici près de l'anglais. Donc lui est coincé. Va pas faire peur. Je vais quand même lui demander un libre passage, des fois que. Histoire de sortir mon unité, pas trop le provoquer. Et on va la ramener
par ici. Voir aller explorer Nidaros au complet par ici. D'ailleurs, on va aussi remonter l'autre cavalier. C'est pas la peine qu'il reste là. Il n'y a rien d'autre à explorer. Je pense qu'il va rentrer défendre sur Marseille au cas où. Prochain tour, faut penser à passer en mode nouvelle. Il ne faut pas perdre votre foi. Ok, on a fait nos upgrades. On passe en mode merveille qu'on a récupéré avec le droit divin, la monarchie. Donc c'est antiquité classique, Moyen-Âge Renaissance, mais pas industrielle. On veut toujours faire des espions. Et tout le reste. On veut passer en mode merveille. Là on voudrait un amphithéâtre. Chichen Itza sur Paris. L'avantage c'est qu'on peut le faire vite. Donc on a une case ici qui servira jamais finalement de bibliothèque, mais qui pourrait faire un lieu saint pour un jour peut-être quelques points d'air. Mont-Saint-Michel aussi, qui serait ici juste à côté. Bon, on fait tomber un castel, mais c'est pas bien grave. Et il y en a un ici aussi. Qui fait pas tomber de castel. Peut-être se faire un petit Mont-Saint-Michel. Hein. Se marier. Alors, sur quoi on veut partir? On veut vraiment le génie civil tôt ou tard. Ok, est-ce qu'on veut faire un quartier ou est-ce qu'on veut faire une merveille ici? On pourrait faire un port. Beaucoup d'options de merveille, notamment certaines qui sont un peu uniques, comme l'armée de terre cuite, qui serait à côté de... On va faire l'armée de terre cuite. Alors, Calais. On pourrait faire le colosse à Calais. Bon, on va pas se gêner, hein. Alors, on en est où? On pourrait reprendre Atusa pour l'accumulation de ressources. Bon, ça serait pour du salpêtre, qu'on a pas mal vendu. Bon, c'est pas hyper utile. Pour un point. Mais ça coûte pas si cher que ça, donc on peut se le permettre. On va reprendre Atusa. Ok. Il nous faudrait vraiment un amphithéâtre rapide pour les bouquins ici, on va l'acheter. C'est 300 gold, mais on commence à faire vraiment pas mal de gold. Donc, si je suis celle... on va le faire. Oula, il est sorti deux spades. Bon. On va tanker avec le coursier et on va battre avec l'arbalétrier. On exploite le petit chocolat. Ça devrait aider cette ville à démarrer. On est pas mal là, on est pas mal. Le coursier, bon. Il va rester en surveillance ici, je pense. Alors, un espion ennemi a volé une optimisation technologique à Nantes. Donc on aimerait bien avoir un contre-espionnage à Nantes sur la bibliothèque. Commercial culturel, il y a des choses correctes hein, ici. Prod, gold, culture,
On va regarder vite fait si on peut avoir mieux avec lui, mais ça me paraît pas mal. Alors le Norvégien, il est par ici. Oh là là, du plus 3. Du plus 3. Mais j'avoue que le 2 de prod, 2 de culture est pas mal non plus à partir de Nantes. Bon, on va s'en contenter. On va s'en contenter, hein, c'est quand même vraiment très honorable. On s'est fait taper. Bon, les coursiers, on aime plutôt la branche de gauche, évidemment, sauf exception. Alors, on peut encore faire du négociant ici, de l'espion ou de la merveille. La merveille, on a dit que on n'allait pas la faire ici. Faire de l'espion, je pense. Est-ce qu'on n'enverrait pas cet arba pour aider à dégager ce camp? Parce que je vois qu'il y a du mousquetaire qui est en train d'apparaître. Ça va commencer à être chaud. Hein. Encore deux mousquetaires. Oh, ça arrête pas, hein. C'est infernal. Je suis venu tout de suite pour le gérer, le camp. Hein, mais... est-ce qu'il y a ceux qui vont me déboîter au corps à corps, hein, faut que je fasse tanker le coursier. Alors, c'est pas le super savant, mais on fera peut-être un petit lieu sain vite fait. Dans un trou quelque part. Ok, à Avignon on aimerait faire des quartiers. Putain, la bibliothèque aussi. Est-ce qu'on a quelque chose à faire de rapide? Bien 6 sur 8, ça va. Je pense qu'on va prendre la bibliothèque quand même, qui est très bien optimisée. Là-bas ne peut pas passer ici. On a déjà des mousquetaires dans les camps barbares, il nous faudrait rapidement les canons de campagne hein, pour que ça dure pas trop longtemps. On va enlever la petite carène. On va faire dormir Hildegarde de Bingen. Chercheur, pas mal, des points de personnages illustres aussi. Allez, on va prendre le chercheur. Il y a quand même pas mal de population. Je suis à 12 sur moi. On va surveiller la religieuse. Je me suis déjà fait avoir deux fois par des victoires religieuses en deux tours. Faudra la jouer fine et éliminer celui qui est en train de gagner la religieuse en premier. Ok. Je crois que l'homme a fait une grave erreur. Ayant Alors, pu est-ce que j'ai du observer une charbon? économie d'un autre type, je... J'ai du charbon. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, on veut vraiment vite mercantiliser pour reprendre des bâtissements. On va prendre l'imprimerie quand même. La cité interdite serait pas mal à faire. On va prendre le linguiste, hein, ça permet de, au lieu de faire des missions en 4 tours entre la carte de machiavélisme et le linguiste, on fait les missions d'espionnage en 2 tours. Donc on est quand même à 50% de réduction du temps des missions, c'est pas mal. Ici, on n'a pas grand chose à faire.
On ferait bien un négociant. Spades, hein. Allez protéger le quartier. J'aime pas trop rester sur le volcan, mais on va assurer, on va rapprocher l'arbre et redescendre un petit peu. Et monitorer ses forces. Non, il n'y en a pas d'autres qui sont en train d'arriver. Alors ici, on est toujours en vétérance, je pense. Donc on peut se permettre de faire le phare. Et on va rester en attente ici. Oh là là, encore un... Punaise. Trois tours, trois mousquetaires. Trois tours, trois mousquetaires. On va partir sur balistique. Hein. On va partir sur balistique. On aimerait bien ici prod peut-être un ingénieur illustre rapidement. On va le mettre dans la file d'attente derrière l'armée de terre cuite. Histoire de gagner le réca sur la balistique. D'autant plus qu'à Rouen, il y a quelques cases inoccupées. Heureusement, le coursier retranché sur colline, derrière une rivière et les forêts, tient bien la route. Donc, Gabriel, on l'a bien mise à niveau. Où est-ce qu'on peut aller pexer? On peut le pexer à Liverpool, hein, il y a un peu de tout, il y a du campus, on avait vu qu'il y avait des merveilles. En espérant que il soit pas tué à 84% de chance comme l'autre fois. Et on va rester fortifié avec le coursier. Alors on va aller défendre Montpellier. 4 unités. Reims. Ok. Ah, mais il y a du territoire ici. Reims qui va probablement partir sur monument. On a des belles cases ici. Hein. L'ambre, on voudra aussi assez vite l'exploiter. Le salpêtre aussi. Bon, on a une bonne accumulation passive, mais. Ce qui fait que on n'a pas envie de gâcher ces cases tout de suite tant que la croissance n'est pas faite. Donc là, on va rien poser hein, comme bâtiment, je pense, pour le moment. Et juste faire un monument. Pareil, on voudra un bâtisseur vraiment vite. Donc, faut très vite qu'on finisse le génie civil. Alors, le coursier tanque bien, par contre lui, il est en train de mourir. On va pas pouvoir rester et tanker un deuxième coup, parce qu'en un coup on s'est pris moins 52. Donc, on est obligé de reculer. Et on va tanker avec le coursier. Alors, ah, on a un émissaire à prendre à Cardiff. Bon, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir. Alors, cet espion-là, je préfère pexer sur la même ville. Ça permet d'économiser le temps d'obtention de sources. Donc on va envoyer le deuxième espion aussi sur Liverpool. J'ai pas pris la promote, par contre, faudra que je la prenne en arrivant à Liverpool. Alors, on parlait d'un... Fichenza pas trop, mais un Taj Mahal, pourquoi pas? Surtout que j'ai plus rien d'autre à faire. Et qu'ici on pourra faire peut-être quelque chose. C'est aussi Marseille pourrait en profiter. On va mettre un Taj Mahal ici.
Templo-Mayor à Lyon? Où est-ce qu'il voudrait me mettre? Là-haut? C'est bien bizarre. Ok, on a fait l'aqueduc ici, on n'a pas assez pour la zone industrielle, on est à 5 sur 7 en pop. Donc ça va. Par contre, on ne sait plus trop quoi faire en prod. On pourrait faire une petite subvention pour Émilie du Châtelet. Bon. C'est pas délirant. Et plateforme commerciale, c'est Gold plus 0,5 pour les routes commerciales intérieures. Sachant vu que j'ai un allié, je vais pas en faire tant que ça. J'irai bien chercher Émilie du Châtelet, hein, c'est que 3 Eureka, mais 6, 11. Bon, je l'aurai de toute façon, mais pour aider au suivant, je sais pas trop quoi faire d'autre ici. Parce qu'en merveille, il y a le Chichen Itza. Si je fais un Chichen Itza ici, j'aurai probablement ici un bon bonne place du théâtre. On peut le tenter ici en fait, le Chichen Itza. Bon, Langue belliciste. Avignon, on est bientôt capé. Alors, est-ce qu'on voudra faire un aqueduc et une zone commerciale ici le long de la rivière? Je pense que oui. Que oui. On peut même faire un barrage qui donnerait de la pop. Parce que l'aqueduc va me donner que 2 alors que le barrage va me donner 3. Il me coûte 2 fois plus en prod. 14 tours, c'est long quand même. Je peux toujours faire les deux. Commencer par un aqueduc ici. Je ferai la zone indus au-dessus et peut-être le barrage ici. On verra. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait à voir ici? Pas grand chose. Faudrait pas exposer trop l'arbre puisqu'on va bientôt avoir les canons de campagne. Et là d'ailleurs ce sera un timing ou l'outtake. Alors lui il prendra peut-être la promote. Sur génie civil, il faut que je récupère des bâtisseurs. Donc je me prépare à la transition balistique pour transformer au moins mes deux arbas ici. Un canon de campagne. J'aimerais bien pré-prod aussi quelques. S'il existait jusque-là sept merveilles, l'innovation permet de tracer des routes droites, mais les routes tordues chevaliers sont pour une preuve pouvoir de génie. upgrader en cuirassier. Donc. Alors, on a encore perdu un truc sur. Oui, ça c'est pour toutes les merveilles, mais il nous le faut. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu en attente? La culture, pour finir les merveilles. Et la vétérance. On va vouloir faire des upgrades. Nous, on voulait aussi prod quelques chevaliers pour faire des cuirassiers. Alors, la carte des chevaliers, est-ce que je l'ai débloquée normalement? Oui. Cavalerie. Donc, cavalerie, bâtisseur et merveille. Et les espions, on y a. Au final, je vais peut-être pas faire l'ingénieur, je vais peut-être la balistique. Mais il faudrait que je la mette en pause histoire que ça se fasse pas au tour suivant. Donc on va faire autre chose, on va faire l'imprimerie. Et donc on me disait qu'on a le droit de faire des merveilles, des bâtisseurs et de la cavalerie. Et lui, c'est sûr, il va faire de la cavalerie. Et un chevalier. Dommage, j'ai fait une caserne, j'ai pas fait une écurie. Mais de toute façon, c'est le seul campement que j'ai fait. Ça leur donnera quand même un petit bonus de 25% d'XP.
on va partir après le génie civil. Peut-être le nationalisme. Peut-être faire une guerre à l'anglais. Peut-être faire une guerre à l'anglais. Il n'y a pas l'air d'être sur beaucoup de villes. J'aimerais bien gérer rapidement ces cochonneries. Alors, tous ceux qui font pas des merveilles, des cavaliers ou des bâtisseurs. Merveille, merveille. Lui, il le fait en un tour. Cavalier, merveille, merveille. Ça, on enlève, ça, on enlève. C'est pas une merveille non plus. Ça non plus, ça non plus. On essaye de croire d'autres choses. Alors, Avignon. Avignon, on va faire. Un chevalier, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de prône. Bordeaux. Chevalier, si peu. On n'a pas assez de prône. Même avec le plus 50%. C'est pas terrible. Et Marseille, 8 tours. Autant rester sur la Duc. Il a 5 et 6 tours. Montpellier, 14 tours. Peut-être passer sur le monument ici. Le monument, on peut l'acheter en fait avec ses golds. Qui reste quand même sur une prod de campus. On va les acheter. Pour les acquisitions de cases. Donc au final, on fait les chevaliers que sur 3 villes. C'est pas beaucoup. Peut-être qu'il y aura Paris. On va prendre l'upgrade ici. Garnison vu le placement. On a quand même pas mal d'unités, hein. Ok. L'Église et l'État, l'esprit et le corps. L'imprimerie représente car ce qui est contre la nature est... Donc au final, on n'est pas en train de faire des bâtisseurs, tellement on veut faire des chevaliers. Donc cette carte ne sert à rien. Il vaudrait mieux mettre chevalerie et entretien par la conscription. Tant pis, on fera les bâtisseurs plus tard. À Paris, on va essayer de faire aussi un chevalier. Là, on a de la prod. On le fait en un tour.
Et encore un chevalier à Toulouse. Ok, Gabriel. Allez, obtention de source. Le coursier, on fortifie. Arbalétrier aussi. Lui aussi. Bon, il se prépare à la guerre, mais moi aussi. Céleste. On prend la du pilotage, hein, on s'est déjà fait dégommer. Un espion à 84% de chance de réussite, ça suffit. On va continuer de tanker avec le coursier. Et on travaille le mousquetaire à distance. Il va rentrer à Marseille. Alors, on n'a pas pu passer ici. On va peut-être aller regarder vite fait ce qu'il y a, là. Au-dessus de Rose, vraiment bien les mousquetaires, c'est impressionnant pour la cavalerie légère. Représentant le soleil. Si vous devez 100 dollars à la banque. Donc là, on enchaîne les merveilles. On n'aura vraiment aucun souci pour l'âge d'or. Hein. Il est dans 10 tours, mais ça devrait vraiment monter vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore? On peut plus faire de chevalier, on n'a plus de. On n'a plus de fer. On n'a plus de fer. Il nous faut un aqueduc hein, à Paris. À côté de la zone Indus. Allez, on va le faire. On a toujours le bonus des quartiers. Vraiment en train de délai. Je pourrais acheter une université pour l'astronomie et débloquer des recherches. Bon, on va déjà faire tactique obsidionale. Pas besoin de faire amphithéâtre tout de suite. En quartier, on pourrait faire un port dans cette ville qui est quand même plus 3. On n'a pas la vétérance, mais bon. On a fait notre chevalier ici. Expérimenté. On peut commencer à ramener. Lui aussi. Oula, il est bloqué en population à Calais. J'ai pas tant de place que ça là. Le l'aqueduc me plaît pas trop. Je pense qu'on va partir sur du grenier à Calais pour débloquer la pop. Alors, par contre, je me méfie du piquier. J'ai pas trop envie de m'approcher. S'il veut sortir, il sortira. Et pour l'instant, on va tenir la position. Là, j'hésite. J'ai un arba ici pour faire tomber. Je pense que lui va aller du côté du front anglais pour déboîter un petit peu tout ce qui traîne. Alors, on va aussi aller à Liverpool avec Céleste. Il faudrait qu'on pexe rapidement un espion niveau 2, histoire d'avoir le bonus de plus 6. On a l'imprimerie et la France, ça devrait aller dans les plus 12. Sauf s'il y a un espion chez moi, chez Canante j'ai un espion. Ok. Du gold de la culture, ou de la prod du gold culture. Merci Ketsmo. On va prendre la prod. J'ai jamais été à Nidaros, je pense. Je dois pas avoir de comptoir là-bas. Histoire d'agrandir la distance. J'ai déjà des problèmes de bouffe. J'ai déjà trop de bouffe à Calais. Donc, quoique ça pourrait aider une autre ville, genre Rennes. Rennes ou Reims. On va transférer à Reims. Ça va la désenclaver un peu. Alors, descendrait bien un petit peu plus
Non, on va taper l'escarmouche. Alors Tristan, on va se prendre une promo. Recruter des partisans. Le déguisement est pas mal aussi. Parce qu'en technologie, je sais pas si j'aurai grand chose à voler. On peut regarder vite fait. Mais... ah, j'aurai des choses à voler en technologie. Bon, le technologue. Alors, je pense qu'on va continuer notre trajet. On aura bien besoin de coursiers quand on ira chez l'anglais. On a quand même pas mal de troupes. Le moindre coursier serait intéressant. Toutes les plus belles histoires d'amour. Il se prépare clairement à la guerre. Mon dieu. Comment tenir face à cette armada? Faut vraiment que je la outtake et que je prenne l'initiative très 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 vite. On va peut-être profiter justement du Victor aussi pour booster la ville de Lyon qui va être le premier impact. Alors, est-ce qu'on a fini d'autres chevaliers? Quasiment fini tous nos chevaliers, je pense. Ah non, il nous en reste deux à produire. Là, on a un tour. Donc on va encore délayer un tour sur la science militaire, par exemple. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire un dernier chevalier? Non, on n'a pas les ressources. Les ressources. Alors, on n'a pas spécialement de quartier à faire ici. Par contre, la merveille, le Templo Mayor, on en parlait depuis longtemps. Mais au final, c'est peut-être cette case hein, qui est la meilleure. On va arriver ici. On a un beau temple au meilleur. On attaque directement la zone industrielle sur la forêt. Tant pis, on ne chope pas ni rien. On n'a pas fait la carrière. C'est dommage de pas de chop. Je peux la faire à côté éventuellement. Mais elle ne serait pas en plus 4 parce qu'il y aurait... voire plus 5, plus 6. Il faut vraiment que je la fasse ici, mais il me faut du bâtisseur à tout prix. Et c'est 6 tours. On est à 5. Alors, prochain tour, on va finir un chevalier. Ah, on n'a plus de petites... peut-être le colonialisme. 480, 220... L'église. Comment ici, essayer de partir sur l'église réformée. J'avais pas prévu que j'ai plus de dogmes en un tour. Ça va beaucoup retarder mon changement de carte. Ou alors, il va falloir payer. Ou alors, il va falloir payer. On va rester sur le nationalisme et on payera. Hein. On va changer une carte. Ce qui fait que à Marseille, je n'ai. Je pense qu'on va devoir partir sur le bâtisseur. On peut le prendre de l'unité aussi, un petit coursier. Tant qu'il y a l'option. Ça s'affaiblit un peu ce camp, c'est cool. Bon, je sais pas si je peux l'approcher. Ouais, on va tenter une approche, voir ce qui se passe. Bon. Lui, il va régénérer au final, vu qu'il s'est pris
L'innovation. Alors, cette ville, c'est pour un petit coup de boost. Il n'y a pas vraiment de bonne route internationale. Sarpsborg. Faire des gueules. Mais ici, surtout, ça me donnerait, par exemple, Toulouse, ça me donnerait 4 de prod et ça me permettrait vraiment de bien démarrer la ville. Tout en faisant une bonne route costale, on va faire ça. On est à 90 sur fomenter des troubles, on va pas prendre de risques, hein, même si on a. Oh, non, c'est pour terminer l'émission. On va pas prendre de risques, on va fomenter des troubles. Faire un petit vol ici. On risque d'avoir rapidement 3 espions niveau 2, ce qui pourrait être pas mal. On est en train de trop délai les prods. Là, faut vraiment que je repasse en balistique. Allez, hop. Est-ce que j'aurais un casus belli vis-à-vis de l'Angleterre? Ça pourrait me faire gagner le nationalisme quand même. Je n'ai pas de casus belli. Il n'a rien pris. Le nationalisme, ça sera pas tout de suite, tout de suite. Il faudra vraiment débloquer. Alors, on va augmenter les subventions. Alors, on a des merveilles ici à faire, également des quartiers. Malheureusement, le colosse est assez moins. Ça aurait été, si j'avais fait le port quand même ici, j'aurais eu le colosse là, j'aurais pu faire une plateforme commerciale, mais là ça m'a coincé un peu. Un lieu 5 plus 3, sachant que j'ai l'île de garde de Bingen. Sachant que je peux aussi me placer ici, hein, le lieu 5 plus 3. Plus 4 même. 1, 2, 3, 4. Et je mettrai l'île de garde dedans. Et on va aller la chercher et la déplacer, île de garde. Je sais plus où elle est. Île de garde de Bingen. Ah bah elle est pas bien loin. Et elle va aller ici. Ah, un arba. Ça s'attaque. On va le laisser taper plutôt se débarrasser de l'arba. On va faire passer le chevalier. On amène ça. Trop de quartiers à faire ici. Pour l'instant, on va faire vraiment des trucs. Ça m'enlève des trop bonnes cases de croissance pour l'instant. On va faire un grenier et on développera la ville après. Un peu risqué près du volcan, mais bon, on va espérer qu'il explose pas juste quand je suis en dessous avec 2 unités. Surtout que je fais l'upgrade prochain tour. Ok, il n'y a rien à voir ici. Bon. Dernière destination au-dessus. J'ai fait beaucoup de merveilles et je suis pas sûr de faire l'âge d'or au final. Voilà, pile comme je le dis, il faut que je me fasse. Alors c'est pas le volcan, mais je me suis fait floude. Bon, heureusement il était déjà upgrade lui. Bon, est-ce que je peux me permettre d'attendre le nationalisme ou pas? C'est combien?
C'est 185 gold. J'ai pas trop envie d'attendre le nationalisme. J'ai vraiment envie d'upgrade très très vite et d'attaquer l'Anglais. D'autant plus que j'ai un espion là qui est niveau 2. Donc prochain tour, lui, il sera en surveillance. Et les sciences militaires, prochain tour, je pourrais upgrade aussi les coursiers. Et le pitié m'a attaqué, il a changé de stratégie. Bon, allez, on déverrouille. On enlève la prod de cavalerie, on garde l'entretien. On prend l'armée de métier. Mince. J'aimerais regarder où j'en suis dans les... Non, je crois que je fais toujours les mêmes. Regardez les espions. Campus de Nodus. Et entretien, je pense que ça suffira. Tant pis pour les bâtisseurs, ça attendra. Et allez, on upgrade un petit camp de campagne ici. Et ici. Et ici. On n'a pas de général par contre. Hein. Heureusement qu'on a une grande puissance d'espionnage. Les cuirassiers ne coûtent pas très cher à upgrade, ça c'est cool. C'est combien ici le déplacement? C'est un tour et un tour. Donc, je peux upgrade ici. Lui. Je peux upgrade aussi. Le mousquetaire aussi. J'ai pas préparé. Il a pas fait de rempart. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Un escarmoucheur. Qu'est-ce qu'on a envie de construire à Paris maintenant? On a fait l'aqueduc, on a un peu débloqué. On voudrait faire une merveille si on peut, mais on peut pas. Je pense qu'on va faire du bâtiment, atelier ou université. Université, ça débloquerait l'astronomie, on n'a pas grand chose de mieux à faire ici. Alors le coursier, on pourra l'upgrade tour suivant. En cavalerie, pour l'instant, on va devoir faire une petite retraite. Ok. Lui pourra fuir. On va prendre une upgrade safe. On va fomenter des troubles. Je vais voir si je peux faire une alliance militaire avec le Khmer. Putain, encore un Flood. Ok, on récupère une petite opti. On prend l'upgrade. J'aime bien me déplacer vite. Est-ce qu'on peut faire une alliance militaire avec le Khmer contre l'Anglais? Non. Et je suis encore pendant 7 tours allié avec lui, mais je suis pas en alliance militaire. Et avec l'Anglais, il s'entend pas si mal que ça. Donc on va faire la guerre tout seul, là. On n'aura pas le bonus d'alliance. Alors, on va peut-être profiter de la carte pour upgrade aussi les cavaleries. Besoin de l'upgrade, lui en vrai. On va le mettre en exploration auto, histoire qu'il nous embête pas trop. Le général.
10 points. J'ai un général le tour prochain. Mais je vais pas attendre pour attaquer. Je vais pas attendre le général. J'ai pas la vétérance. Je pourrais faire un quartier. Bon, c'est quand même intéressant. J'ai pas mieux à faire. Et il m'a quand même fait mon chevalier, lui. Qui va partir vers le sud. Avant de se gripper en cuirassier. On va reprendre le campus à Montpellier. Galilée. Galilée. J'ai rien d'urgent à faire en tech. J'ai ce qu'il me faut là. Je suis dans l'ère industrielle. J'ai out tech un petit peu le raffinage, aller chercher le pétrole. Bon, c'est peut-être pas urgent, urgent. Je viens juste upgrade les cuirassiers. Après, j'ai combien de rangers? J'en ai qu'un seul là. J'ai un escarmoucheur et c'est tout. Donc aller chercher le ranger. Bon. On l'aura comme ça au tour prochain. Mais... Alors. Donc finalement il est passé avec son colon, mais on va dégommer tout ça. On va dégommer tout ça, mais on doit avoir un espion. Qui est disponible. Gabriel niveau 2 et on fait une mise sur écoute. Alors ça donne quoi? 70 sur 35. Renseignement, on est à plus 6. Il a probablement un espion chez moi. Mais ça va être quand même assez efficace. Donc on va lui déclarer la guerre. Déclarer une guerre surprise qui n'aimera pas beaucoup. Hein. On est parti. Alors, on one shot avec le coursier, donc je pense qu'on va pas se priver. On capture le colon. Allez. Le cuirassier sur les petites unités, le tir à distance sur les chevaliers. Et là, avec du cuirassier, on va pouvoir rentrer très très vite dans le tas. Hein. Pour éviter les upgrades, on va peut-être faire le ménage. Ah, ça passe pas. Niveau foi, est-ce que c'est lui qui domine niveau foi et religion? 7 villes, bouddhisme 16 villes. On va lui laisser son apôtre, on va pas le bousiller parce qu'il permet de contrer un petit peu la religion du Khmer. Il était devant, mais le Khmer, évidemment, tôt ou tard, il finit par le dépasser. Bon, bah Galilée va dormir pour le moment. Alors, ah, je vais me faire piller une route commerciale. J'aurai le ranger prochain tour. Je vais commencer à descendre. Ça me permettra de nettoyer avec le ranger toutes les unités du sud. Donc là, dans deux tours, on pourra utiliser l'île de garde de Bingham. Ah, je me fais dénoncer par le Khmer, c'est pas cool ça. Ne critiquez jamais un fusil, c'est le nationalisme. Nationalisation. Donc j'ai peut-être encore de l'upgrade à faire. J'ai peut-être pas forcément les cartes à changer tout de suite. Je pense qu'on va retrancher, on va piller et on va prendre l'upgrade. Ça me fera des golds. Elle est où? C'est le cuirassier. On va piller. Et on prend l'upgrade de barde. Je pense qu'il va commencer à me tirer à distance. Peut-être partir sur l'acier pour assurer le coup.
Alors, dans les gouverneurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Statel de Dieu, Saint-Patron. Pas trop. Savoir partager, mais je fais pas de route interne, c'est pas si intéressant que ça. L'Eureka, éventuellement. Plus 3 pour chaque route commerciale étrangère passant par la ville. Nantes, ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de routes commerciales qui passent à Nantes. Route vers les villes, Rouen-Calais. Non, là tu sais vers Rouen. En fait, il n'y a que les cités-états qui m'envoient des. Est-ce qu'on voit pas ça dans les rendements? Dépenses, dépenses, accords diplomatiques. Peut-être ici dans les gold. Négociation avec Oslo. Négocier avec Skedmo. Ça doit être ça. Je vais avoir 8 gold là de. Négocier avec Fès. 6 gold. Ça doit être ces trucs. Donc là, ça ferait deux routes qui passent ici. Et c'est le plus que j'ai. Ça me ferait 6 gold avec une. Avec une Reina. Sachant que j'ai complètement oublié ma Liang, hein, qui est installée depuis 3 plombes ici. Complètement oublié ma ligne. Oui, il m'a mis dans une cité état. Ouais. Je suis pas convaincu, mais bon. Allez, on va. Je pense qu'on peut essayer. Non, on peut pas l'envoyer au clan. On va l'envoyer à Cardiff. Non, je l'ai déjà. On va l'envoyer à Fès. Allez. On va contester Fès. C'est une bonne cité-état. Qu'est-ce qu'elle donne, Fès? Ouais, non, bof, c'est pour du religieux, c'est pas une si bonne cité d'État que ça. Mais au moins je monterai à 6 points pour les universités. Ok, si on a le nationalisme, on pourra faire des régiments si on en ressent le besoin. Qu'est-ce qu'on veut? On peut partir vers le fascisme si on fait la guerre. Ah, le fameux général. Ça c'est cool. Ça c'est cool. On va le rediriger tout de suite vers Lyon. De garde de Bingen, prochain tour. Marseille. Alors, Marseille. Des bonnes routes vers le norvégien. On va chercher quoi? De la culture? Science et culture? Ou nourriture ou prod. Prod ou nourriture? Plutôt prod. Alors. Bon. On va bientôt venir à bout de. On va libérer une cavalerie. Il y a des collines partout ici, mais est-ce que ça c'est une colline? C'est pas une colline. Donc je peux pas me mettre en position pour tirer sur le piquier. Il va falloir que j'aille tanker le piquier sur la colline.
Alors, on a notre upgrade ranger, on va pouvoir faire ménage au sud. Est-ce qu'on se fait quand même le phare? Allez, on va faire le phare. On reste des golds. Bon, bâtisseur, hein, c'est vraiment l'urgence. Travaux publics. On a fait toutes nos upgrades. On fait encore des merveilles, on va garder la carte. Alors, elle a encore deux places d'habitation, mais on va bientôt pouvoir commencer à faire des quartiers et rogner un peu sur les bonnes cases. Mais on vient de mettre la carte bâtisseur et on va en profiter. Et ça va être pareil ici, en fait, on va abandonner le phare. On peut encore faire un espion, on va faire du bâtisseur. Le pauvre, on va pas lui forcer la main. Ah, on one shot des chevaliers. Donc ça, c'est pas toujours hein, en mode divinité qu'on arrive à prendre l'ascendant technologique sur une cive. Hein, ils ont tellement de bonus que c'est vraiment rare. Et ça fait plaisir quand on arrive à avoir ça. Alors, il m'a amené le colon pile où il fallait, ça c'est parfait. On peut settle ici, pas la peine de settle en costal, je pense, on va rester sur l'eau douce. On va upgrade la cavalerie tout en s'approchant un petit peu peut-être. Et ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire en quartier? On va faire quand même un port malgré tout. Il n'y a pas la vétérance, donc on va passer en monument, mais on va garder port dans la file d'attente. Alors, le canon de campagne, il peut avancer. Alors, il va falloir nettoyer le sud. Tenter de voler une opti, on ne sait jamais, des fois que ça passe avant que je prenne la ville. L'inconvénient là, c'est que dès que je prends la ville, je perds mes trois espions. Bon, il est en train de placer des émissaires partout. Oula, du pique et tir, ça, même les cuirassiers, ils aiment pas trop. Même les cuirassiers, ils aiment pas trop. Hein. Je pense qu'on va reculer, se mettre un petit peu à l'abri d'une case ou deux, ou trois même, vu la portée du reste. On va passer en barde. Tant pis, on va faire tanker le cuirassier, hein. On peut pas trop se permettre de ne pas protéger le canon. Il tape pas si fort que ça sur la ville, hein, le canon de campagne, il va falloir faire une bombarde. Et très vite. Voire l'acheter, vu que j'ai le... Bon, faut vite que je nettoie ce qu'il y a autour avant qu'il me l'upgrade. Alors, je peux moins faire ce move. Ça. On les upgrade pour l'instant. Bon, ça va être une prod de bâtisseur en chaîne ici. Négociant ou bâtisseur? Bâtisseur, je pense. Alors.
faire un négociant. Bâtissons pas si urgent que ça sur ce spot. Scalmo est vraiment bien. On va quand même aller à la capitale faire le comptoir commercial. Alors Montpellier, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une route commerciale. Ok. On va aménager. Donc là, on a de la cavalerie, mais il commence à sortir du piquet de tir. Donc il va falloir essayer de contourner. Peut-être aller piller vers le nord. Pas si je partirai pas vers le sud. Alors j'ai dit qu'il me faudrait une bombarde. Je pense qu'il faut pas que ça tarde trop. Est-ce qu'on peut acheter une bombarde? 560 gold, on n'a pas assez. Le tour prochain, on pourra en acheter une. Sachant que. Alors, on n'est pas très très loin de l'artillerie. Hein. Mine de charbon. Charbon, normalement, j'en avais. Mais je crois qu'il faut aussi un cuirassier à vapeur. Mais ça, je ne fabriquerai pas. Je vais peut-être utiliser mon Galilée là-dessus. Hein. Je vais peut-être utiliser mon Galilée. Le meilleur spot du Galilée, en fait, c'est ici à côté d'Avignon, je pense. Pas de. J'aurais dû le rapprocher plus tôt. Dans le canon de campagne, faut qu'il aille tanker le pitié. Donc, avec la cavalerie, je vais peut-être aller faire tout le ménage autour de Cardiff. Cardiff se défend bien d'elle-même en fait, vu que c'est une ville alliée et qu'elle est out-tech aussi sur l'anglais. Ça vaut pas tant le coup que ça. Peut-être aller me positionner ici pour voir ce qui se passe. Alors, le général, pour qu'il couvre un peu tout le monde, j'aimerais bien qu'il couvre le cuirassier quand même, donc on va le mettre là. Et le cuirassier. Vu qu'il va se prendre des hits de piquet tir et double attaque à distance, je pense qu'il va rester fortifié le temps que je fasse le ménage et que j'amène la bombe, l'artillerie. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut encore profiter pour faire des quartiers en République maritime. Je pense qu'on va enchaîner sur l'Aqueduc, hein, même si on a déjà la pop. Haut de l'âge 4 tours. Ah, je vais aussi rater cet âge d'or. J'ai pas fait assez de quartier. Alors, Céleste. J'aimerais bien défendre Nantes. Hein. J'ai vu qu'il y avait de l'espionnage à Nantes. C'est un peu casse-couille. Si je peux péter l'espion de Nantes, ça serait bien. On va fortifier ici, on va faire tanker le cuirassier, on va pas prendre de risques, j'ai trop peu d'unités. Ah, il se met pas sur le cuirassier. Et le pic qui tire n'a pas attaqué le cuirassier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il m'a un peu déboîté. L'expansion. Bâtisseur merveille, j'en suis où sur les merveilles, hein. Garde vite fait.
Chimie nucléaire. Astronomie. Colonialisme. Le Khmer m'a déclaré la guerre. Mais le Khmer, de toute façon, il est de l'autre côté du... Donc j'en ai un peu rien à foutre du Khmer. J'en ai un peu rien à foutre. Allez, on va dégommer ça. Alors voilà, un ranger contre un cavalier. Le cavalier prend cher. On peut quand même bien nettoyer la bombarde. Elle n'est vraiment pas résistante. On va quand même approcher les autres unités. On a 3 de mouvement. On n'a pas forcément envie de se mettre le long de la rivière, mais on n'a peut-être pas le choix. Parce que lui, il lui reste 2 de mouvement et je peux pas aller sur la forêt. Lui a 3 de mouvement, mais là c'est colline. Donc si je bouge là, je peux pas taper l'archer. Je pense qu'il va aller en première ligne. Prendre le risque. Ça me permet de taper avec mes 2 canons. Et ça l'obligera à avancer des unités de corps à corps qui pourront pas me taper tout de suite parce que ils auront déjà bougé avant d'atteindre la berge de la rivière. Alors bon, je pense que je finis la bombarde ici. Tant pis, c'est net, mais... On va aller chercher l'Arba au nord avec le mousquetaire. On pourrait aussi aller le prendre avec le cuirassier en fait. Hein. Ça l'exposerait au double piqué tir, mais on a déjà bien fait le ménage, donc on va prendre ça. Apex le cuirassier. Je pense que je vais pex aussi un petit peu ce cuirassier. Ça peut aussi bait le piqué tir. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut faire du bâtisseur. Encore un espion à faire. Hein. J'ai trop besoin de bâtisseur. Ah oui, il a fini le cuirassier, j'ai perdu du temps au final ici. Bon, il va aller pex gentiment vers le sud, je pense, le cuirassier. Montpellier, j'aimerais bien bouffe et prod, histoire de bien démarrer. Déjà, il est capé en bouffe. Donc on va faire une route interne pour Montpellier. C'est bien, il m'a placé Montpellier et Marseille au sud. Bon. Rouen, Reims, Rennes au nord. Ça va, c'est cool. Hein. Ok, 5 émissaires. Alors je peux choper pas mal de points d'air ici en retournant les cités-états. Donc déjà ça fait 4 points d'air de retourner ces cités-états. On va pas cracher dessus parce qu'on commence à être limite. Hein. Il nous reste 4 points d'air à faire, mais on a 3 tours. 3 tours, il faudrait qu'on chope de l'émissaire rapidement. On n'en aura pas. À moins de piller cette place du théâtre, on n'arrivera pas à avoir 2 émissaires en plus. De toute façon, ça suffira pas. Il en faudrait 4. Aïe aïe aïe. Bon, on va pex ce cuirassier. Hop. Qu'est-ce qu'on peut aller piller? On peut aller piller un peu de science ici sur les mines. Par contre, on s'expose à au moins... Ah non, les piquetiers sont trop loin. C'est intéressant ça, que les piquetiers soient trop loin. On va les piller. Je les placerai bien tout de suite céleste. Hein. Ou faire du contre-espionnage. Je vais la changer de ville, la mettre à Nantes et voir ce que ça donne, le contre-espionnage à Nantes.
Je manque de ressources de luxe. Est-ce que mon ami voudrait faire un petit marché? Là, la truffe, j'en ai plus. Il n'y a pas de renard. Ah non, c'est moi qui ai de la truffe. Épices. Renard. Olive, j'en ai. On est pas mal là. Ça n'a pas l'air de suffire pour Nantes. Tant pis. Je peux pas trop l'attaquer, lui. Il serait à côté, pourquoi pas, mais. Je peux peut-être sortir tanker, mais c'est tout. Hein. Les fesses, je peux pas trop la conteste. Ah, il a encore retourné quelque chose. Ouf, il a pris cher le cuirassier. Et le pitié est mort. Par contre, que le pitié soit mort, c'est cool parce que ça veut dire que dans le tour. Ça veut dire que dans le tour, je peux faire les 3 points d'air du campement. Ça, c'est cool. Et oui, il l'a pas pris. Et si j'ai un personnage illustre, j'aurai mon âge d'or. Bon, on va taper sur l'anglais de préférence. Et d'ailleurs, le ranger va aussi s'occuper de l'anglais. Alors, j'ai pété le camp, mais j'ai pas eu 3 points de... C'est bizarre, ça. Ah non, bon, ok, ça me fera un point. J'ai pété le camp avec un canon de campagne, mais j'ai pas eu les points de... Voilà. Comment ça se fait qu'on n'ait pas les points d'air en pétant un campement? C'est un bug? Je vais recharger la partie. Sauvegarde rapide. Charger partie. Sauvegarde rapide. Charger. Normalement, on a 3 points d'air hein, quand on rase un campement barbare. J'étais à 122 sur 126 et j'ai rien eu. C'est peut-être un bug ou alors c'est peut-être limité à l'air. Faites preuve de prudence en ces temps difficiles, reine mère. Alors, on va retenter, peut-être... Ah mais non, j'ai sauvegardé après le... Après avoir fait le move. Fallait que je charge la sauvegarde auto. Je vais tenter de prendre le campement avec le coursier. Peut-être que si c'est une unité à distance, ça pose problème, mais il me semble pas. Hein. Avec un archer, on peut prendre un campement barbare et on chope bien les 3 points. Le bruit incessant des machines, l'odeur âcre de la fumée, l'horizon obscurci par les cendres et la fumée. Je sais pas si je peux trouver sur net ça l'info sur la limitation du gain de score d'air sur les campements barbares. Alors 6-6, Irascore, bon, c'est peut-être là-dessus, mécanique, alors 3 points de score d'air sur campement barbare détruit, ça ne marche que jusqu'à l'âge médiéval, ok, bon bah en fait c'est pas une histoire de coursier, c'est limité à l'âge médiéval, on en apprend tous les jours. On va recommencer la mission ici. On reprend ça. Bon, je refais mon move alors. Au final, j'aurais dû aller rechercher avant. Donc, ça sert à rien que j'attende. J'aurai que les dragons. Le cuirassier va s'occuper de l'escarmoucheur barbare. Et on s'est enfin débarrassé de ce camp qui nous aura bien embêté hein, avec les 3 pop de mousquetaires. Ok. Alors, lui, on voulait le faire contre-espionner. Donc on va passer en mission de contre-espionnage.
Et je m'étais fait voler de la science, donc on va faire du contre-espionnage sur le campus. On sait jamais, des fois qu'il y soit toujours. Montpellier a eu sa route commerciale, Calais a une nouvelle route. Donc je pense qu'on va aider Rennes. Les nouvelles villes ont toujours besoin d'un petit coup de main. Donc j'ai 3 points d'air ici à faire en 2 tours. 3 points d'air en 2 tours. On a pas mal de gold. Peut-être qu'en levant une cité-état. Peut-être qu'en levant une cité-état. Alors il n'a pas retourné Fès et je ne peux pas la conteste. Est-ce que je pourrais prendre le contrôle de Cardiff et faire le nettoyage avec les mousquetaires? Ce serait pas mal ça. Quoique, je vais faire perdre un tour d'attaque aux unités. Ça me plaît pas trop ça de faire perdre un tour d'attaque aux unités. Ah, un canon de campagne d'Auckland là qui pourrait être intéressant. Je vais peut-être les laisser se débrouiller toutes seules. Peut-être que Hattusa est pas très cher. Pour 90 gold, je suis à 123. Je passe à 124. Ok, donc je gagne un point. À Lisbonne, je l'ai plus. Qu'est-ce que j'ai encore en cité-état? J'ai encore Auckland et Cardiff. Je vais peut-être quand même le faire pour. Et voilà, on a notre âge d'or. Heureusement qu'on avait pas mal de gold. Je vais peut-être pouvoir aller taper une ou deux unités. Cardiff, on va la laisser se débrouiller. Alors, ensuite, on est à Rouen. Rouen, c'est la ville des bâtisseurs, hein. En plus, je l'ai fait en un tour, donc on va pas se priver. La banane. Alors, Alvarado, il fait quoi? Une unité navale en armada. Bon, on s'en fout un peu. Va dormir. Ok. On va peut-être aider Cardiff ou on revient sur. Allez. On a fait le hit. Il y en a un qui a pris cher hein, ici. Ah, upgrade, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais j'ai beaucoup d'upgrades à prendre. On va se fortifier, on va piller, parce qu'on a besoin de culture. Et on va prendre des routes, vu que les unités sont blessées. Peut-être que je prendrai moins cher. J'aimerais bien quand même taper avec ce canon de campagne. Lui va prendre son upgrade en étant fortifié. Je crois que le pillage c'est de la bouffe. Ah non, c'est des golds sur le. Mais là je perdrais mes 3 points de mouvement et je pourrais pas prendre l'upgrade. Donc on va prendre l'upgrade. Est-ce que j'ai d'autres upgrades à prendre? J'ai pas d'autres upgrades à prendre. Alors. Je peux taper la ville. Mais j'aimerais bien faire du nettoyage avec le. Je vais traverser. Je vais amener canon de campagne. Il faut que je déblaye un peu les piquetiers. Ils font trop mal à ma cavalerie. Remonter, alors là on peut piller. Je peux piller et bouger après. Parce que là, il va pas aimer ce qui va se passer. Ok. Qu'est-ce que je fais quand même mon hit? Je pense que je le fais hein, vraiment solide. Ou alors, je fortifie et je fais traverser la cavalerie et je passe en cuirassier niveau 2. Ce qui permet d'assurer, parce que là je peux avoir un hit de piquetier
une cavalerie. Les cavaleries font quand même des dégâts corrects. En fait, je regarde tous les dégâts que je peux prendre de toutes ces unités. En fait, ça fait beaucoup, hein. Deux attaques de pique et tir, là, je vois, sur ma barre de vie, ça m'enlève quasiment 50%. Plus la cavalerie qui m'enlève bien encore 20-25%. Appliquée à celle-là, alors certes, elle est fortifiée, mais elle a zéro de défense supplémentaire. Je pense que former un régiment, ça me permettra d'assurer cette cavalerie. Surtout que celle-là est niveau 0 encore. Tant pis pour le hit sur la capitale. Et ça permet de la reculer en plus de changer la position. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Du bâtisseur ou de l'espion? Du bâtisseur, un espion c'est trop long, on le fera dans une ville qui a plus de production. Ah, on s'est fait choper. On va partir à pied. Agent capturé. Bon, ben, c'est même pas la peine d'essayer de négocier. On a déjà 3-4 espions, hein. Mais marchander en guerre, c'est pas possible. Alors l'inconvénient, c'est que j'aurais préféré qu'il soit tué. Parce qu'un espion comme ça contre une civilisation, si je repasse pas en paix et que je le marchande pas, et que j'élimine l'Angleterre, il sera toujours capturé. Ça fait un espion définitivement mort pour toute la partie. Et ça, j'aime pas trop. Ce qui fait que les espions qui pexent, je vais peut-être les mettre chez le Norvégien, ça évitera, je pourrais toujours négocier leur libération. Et je garderai que l'espion avec des bonus sur l'Angleterre. Ok, donc là on a du cuirassier. Est-ce qu'on fait aussi un régiment de cuirassiers ici? Je pense qu'on va faire ça parce qu'on n'a pas pu faire un bon hit. Et Gustave, on va le repositionner pour couvrir le mousquetaire qui a franchi la rivière. Finalement, on va faire l'acier sans même Galilée, oui. Par contre, j'aurai plus de gold pour acheter mon artillerie. Il faudrait que je mette. Va falloir que je la prod en fait l'artillerie et que je trouve le pétrole. Le pétrole, il est où? Le pétrole, il est là. Construire deux centrales à charbon. Peut-être que je peux débloquer les centrales à charbon dans certaines villes. Mais là, de toute façon, je produirai pas de cuirassé à vapeur, à part si j'ai l'amiral. Je crois que l'acier, on va le hardtack, hein, parce que l'amiral des capitales reçoit une capitale. Bon. J'aurai pas l'amiral de cuirassé à vapeur. Ok, donc on laisse tomber. Donc ça devrait tenir, là, le front. Cavalerie est quand même venue taper. Mais le courroux d'Uitzilopochtli était Ah, immense. un temple Et à honneur. mesure que le sacrifice traversait chacune des quatre pièces consacrées Bon, au je le dieu fais du pas très soleil, souvent celui-là, le mais il disque était vraiment lumineux trop beau. disparaissait ou réapparaissait dans le Ça va ciel. faire un joli lac. Yes. Trop beau. Ah, puis Je ne l'acier me connais donne rien aussi de deux plus points dur d'air. que l'acier, le Au diamant final, et la je suis connaissance en de train soi. d'éclater mon âge d'or. Bon, 6 points, c'est pas éclaté, mais. Ok, heureusement que j'avais fortifié hein, ici. J'ai pris des hits. Bon, je vais pas les grouper en régiment, les canons de campagne, parce que j'en ai que deux. J'aimerais bien les monter niveau 4 pour qu'ils aient le double tir. Et je pense qu'on va continuer à nettoyer ce qu'il y a en face. Hein. Alors, on a plus de pique et tir à nettoyer, il s'est réfugié ici. Ce qui fait qu'au canon de campagne, on va vouloir taper sur la cavalerie. Elle est à 63, celle-là, on la one shot en théorie. Je pense qu'on va en profiter, parce que le pique et tir, on ne one shot pas. Et là, c'est pareil, on fait un one shot cavalerie. Bon, on va prendre ce one shot cavalerie déjà avec l'unité qui est derrière. Et on va préférer taper sur quoi?
Elles font mal en attaque, hein, les unités de... Mon mousquetaire me fait peur. Hein. Limite, pour éviter le shot, je peux reculer d'une case. Je perds la défense de rivière, mais... J'ai pas envie qu'ils sortent le piquet-tir pour achever ma... Après, j'ai toujours une cavalerie ici, on peut pas traverser. Alors, est-ce que le ranger peut s'occuper d'éliminer l'anglais? Ah merde, l'anglais a ramené. Oh bah dis donc, l'acier est sorti au bon moment. Bon, bah allez, dégage. Ok, on a fini l'acier. Au final, peut-être que le pétrole, on fera pas les centrales à charbon. Je vais profiter du galbé pour découvrir les ressources de pétrole. Parce que là, on va pas tomber, même s'il n'y a pas de rempart, on va pas les tomber vite, les villes. Il faudrait vite qu'on ait aussi la carte pour produire de l'artillerie. Alors Paris, on reste sur des bâtisseurs ou on se fait un autre espion Apex? On va se faire un autre espion. Est-ce que c'est du terrain? C'est pas du terrain plat, hein, c'est de la colline ça. Non, c'est du terrain plat. Oui, je l'avais dit au début. Je pense qu'on va faire le parc... Quoi que c'est risqué, si se fait péter par le Kilimanjaro, le parc urbain de Liang, et que c'est pas réparable, que c'est vraiment détruit, ça risque d'être gênant. Mais peut-être que juste pour la beauté de la case, je vais quand même le faire. Sur le Kilimanjaro, un parc urbain sur le Kilimanjaro. Alors, ici... Ici, on manque d'habitation. On a déjà un aqueduc, on va faire un grenier. Ici, tout va bien. Et c'est notre ville bâtisseur. Donc on va continuer, on en enverra à Reims. D'ailleurs, on va le faire tout de suite pour Reims. Reims a déjà fait un... Ok. Donc là, on prendrait quand même bien le hit sur la ville. Surtout qu'il est plus retranché, le piquet tire dedans. Donc là, on est bien. On va laisser Gustave Rodolphe ici. Ah, mais lui, il fait une bombarde d'ailleurs. Ah, au cas où, j'ai ça. Mais malheureusement, j'ai qu'un seul général, je préfère le garder. Alors la cavalerie, ça tape moyen sur le mousquetaire, mais j'aurai un bonus de contournement plus 2. Par contre, je l'expose à quelque chose que je vois pas ici au sud. S'il y a des unités qui viennent de Leeds, je suis mal. Je pense qu'on va assez bien le mousquetaire, il y a peu de chances que le double hit me tue. Après, il peut switch avec la cavalerie, mais quoique la cavalerie, je peux pas mal la dégommer. Je pense qu'on va tomber la cavalerie plutôt. Et on va tanker le mousquetaire. Limite le taper avec la cavalerie pour XP un petit peu. Je peux même déplacer le Gustave Rodolphe. Allez, on finit la cavalerie. On déplace le Gustave Rodolphe pour avoir son bonus. Et... 17. Renseignements sur les déplacements de l'adversaire, plus 9. Il n'y a plus d'espions chez moi. Là, on prend un bon hit. On XP un peu notre cavalerie. On voudrait le niveau 2, évidemment, pour pouvoir piller plus facilement. Comment ça se termine ici, hein? On commence à avoir du mal. On va achever les unités. Hein? On va le fortifier parce qu'il a déjà fait son attaque. Ah, si on pouvait faire des hérésies sur le... des inquisitions sur le Khmer, ça me plairait bien. Surtout qu'il a l'air de perdre ses apôtres. Donc go... go inquisition sur le Khmer.
Alors, un spade ici, c'est quoi? Ah, c'est Atusa que j'ai levé. Écoute, tu vas te prendre une upgrade. Montpellier. On a envie de faire une bibliothèque à Montpellier. Ok, on va pouvoir faire des bâtiments ici. Donc là, on dit aqueduc et zone industrielle dans le marécage vers le Salpêtre. Ça paraît être le meilleur move. On enlève une bonne case, mais on a déjà fait notre population, donc c'est bon. On va la poser là et c'est stacké. Alors, ce qui fait que. Ah, il y a quand même des unités au sud. Est-ce que ça va suffire, le cuirassier là? Je pense que rien que le ranger aussi et le canon de campagne. On va remonter aidé par ici. Et le Gustave Rodolphe est bien placé. J'espère que je vais pas me prendre un rush de quelque chose que j'attends pas. Ok. Bon, on va aller sur les ressources. Coup. Alors j'ai envie de l'aider elle aussi, donc je pense qu'on va faire une route interne vers Toulouse pour la prod. Quoique elle a l'air bien vite en bouffe, ça a l'air d'aller. Donc si je peux faire plutôt de la culture et de la. Le fameux Sketsmo est toujours très bon. On n'a pas tant besoin de bouffe que ça. Allez, on va le mettre en exploration auto lui. Il me reste combien de tours? C'est le dernier tour de l'ère de la Renaissance? Bouddhisme, moins 125. Bon, ben voilà, on sera en âge d'or par contre pour l'ère industrielle. Avez-vous déjà construit un château en plein air? Un petit Taj En Mahal. voici un. Ramené sur Terre pour un émerveillement éternel. Il est joli. Bonne merveille, bien détaillée, avec l'éclairage en plus, c'est une trop classe. Et le mode nuit. Liverpool, on va recommencer la mission de L'ingénierie est l'espion. l'art de On diriger a une découvert le troupe. Je ne pétrole, merci comprends que Galilée. l'amitié ou la politique de la terre brûlée. Terre brûlée, ça permettra de changer les cartes. On va pas le faire tout de suite, on va faire une sauvegarde rapide, on va arrêter là. Et je reprendrai à l'ère industrielle, peut-être demain, ce soir ou demain. On verra bien. Peut-être ce soir, je pense. Bon, bah c'était une bonne ère de la Renaissance. Liverpool tombera probablement au début de l'ère industrielle. Et puis voilà. On est bien parti.